Vous faites des erreurs. Regardez, quand vous préparez votre nourriture, il y a des femmes, la nourriture là, sur le feu comme ça commence à bouillir, potop, 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 potop. C'est en ce moment-là, elle va servir son mari. Si tu sers ton mari pendant que la nourriture est au feu, tu as mis le feu comme ça dans ton foyer. Tu as mis le feu dans ton foyer. C'est-à-dire que quand un problème même va venir comme ça dans ton foyer là, quand un problème va venir, ça va devenir gros comme le feu là. Et quand ton mari même serait au courant du problème, c'est en ce moment-là, tu vas voir que le feu là, ça va s'allumer comme ça. C'est la nourriture que vous préparez. Et parfois, la nourriture au feu, c'est toi qui l'as bavardé, tu prends l'assiette, maintenant tu sers comme ça, tu sers. Le feu l'a allumé, la bouillie, la... Ça, là, tu as fait quoi avec ça? Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs qui allument le feu. Quand tu as fini de préparer, là, il faut que la nourriture, là, soit froide. Froide. La nourriture, là, ne bout plus, elle s'est calmée. La marmite, là, est un peu refroidie. C'est en ce moment-là, tu sers la sauce, tu vas mettre ça sur la table. Sinon, si tu sers la nourriture pendant qu'elle est chaude, elle est au feu comme ça là, petit problème que tu vas dire dans ta bouche là comme ça serait le feu seulement. Ça serait le feu seulement, ma chérie. Même ça peut aider parce que ce sont des négligences que les gens font. Soit vous ne savez pas. Soit vous ne savez pas. Quand tu ne sais pas, toi-même là, si on prend la nourriture chaude comme ça, et puis on te donne, est-ce que ça va te plaire? Le plus souvent, quand tu veux manger, tu attends que la nourriture soit froide. Il y a des gens qui mangent la nourriture quand c'est chaude. Mais quand tu vois que tu veux servir la nourriture, que ce soit à tes propres enfants, pour que demain ils soient à l'écoute. Que ce soit à tes propres enfants, quand tu les sers à manger, il faut que la nourriture soit froide. Et puis tu les observes manger. Ça peut aider, les amis. Ça peut aider. Ce sont des erreurs que vous faites. Et je pense que peut-être, pour ceux qui savent peut-être, ils ont l'habitude de le faire, ils n'ont pas de problème. Mais je ne dis pas que ça arrive à tout le monde. Ce sont des choses qu'il faut faire vraiment attention. Ce sont des choses qu'il faut faire vraiment attention. Parce que ton mari, il ne peut pas être irrité tous les jours. C'est parce que tu fais des erreurs dans ton foyer. C'est parce que tu ne sais pas faire la nourriture et tu mets la nourriture chaude comme ça dans la bouche de ton mari. Il va crier, ouah, ouah, ouah. Et puis toi-même, là, tu es traumatisé dans le foyer, là. Il faut respecter ces règles. C'est très important. Quand tu as fini de préparer la nourriture et que tu as servi la nourriture, le plus souvent votre mari il vient et puis il dit non, qu'il faut chauffer la nourriture là, c'est trop froid. Si vous n'avez pas de micro-ondes, alors vous allez renverser la nourriture là dans le feu, dans la casserole. Pour éviter de faire ce renverser et remettre, non seulement quand tu renverses la nourriture que tu as déjà servie qui est devenue froide dans la casserole, que tu la renverses dans la soupe, c'est-à-dire que dans la marmite, pour réchauffer, ça va gâter la sauce. Ça risque de gâter la sauce. Donc, il ne faut pas prendre la nourriture. Il faut attendre. Quand tout le monde est prêt, tu leur demandes, vous êtes prêt pour que je puisse servir? Dans ce cas-là, tu peux maintenant chauffer un peu la sauce. Pour qu'elle soit un peu plus chaude. Mais si tu sers la nourriture, elle est froide, et tu prends la nourriture, tu viens, tu remets dans la sauce, tu as gâté la sauce là comme ça. Si tu n'as pas une bonne main, la nourriture peut pourrir. La nourriture peut pourrir.